Levez ton nez, touchez sans reculer vos pieds. Utilise le stick. C'est peut-être pas la meilleure explication du monde, mais comme disait quelqu'un l'autre jour, touche la place où il y a son épaule. Si son épaule est encore là, il va toucher. Si son épaule est plus là, il ne va pas toucher. Mais le stick va se lever, il va toucher la place où il y a son épaule là maintenant. C'est à lui de ou laisser son épaule être touchée ou partir avec son épaule et ne pas être touché. Levez, menez, tournez. Je n'ai pas réussi de toucher l'épaule. L'épaule n'était plus là. Direction avant l'impulsion dans un premier temps. Donc, menez, levez le stick, enlevez. Restez présent sans être gênant. Présent seul, sans demander grand-chose. Si le cheval ralentit, je me pose la question, est-ce que j'étais assez présent? Et je le corrige. Mais je ne maintenais pas le cercle. Je suis présent, le stick est derrière lui. Je laisse faire l'erreur et je corrige.